الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين frères et sœurs en islam السلام عليكم ورحمة الله وبركاته question numéro 1 qui fait tawhid pas prendre contact hors du mosque pour rentrer dans un comité trouve la lune. Alors encore une fois frères et sœurs en islam et tout ça là c'est une bonne suggestion et donc faire un comité inclure les autres veut dire partie de la communauté déjà du mamos qui ne fait ali c'est un panel qui est composé de ban tablik jamaat de ban sunnat jamaat de ban mazhab hanafi en général et aussi un frère qui étudie l'arabie alors donc peinant qu'un mal si un jimon l'in convainc qui les besoins continuent stick avec la ligne locale alors donc tant mieux mais veut dire besoin fait ali professionnellement et besoin de patience quand ban témoin vini et pas laisser l'émotion rentre là-dedans et besoin d'être réaliste aussi. Besoin d'être réaliste et n'a pas de condition que aujourd'hui nous besoin veut dire et n'a plus de flexibilité. Par exemple personnellement pour moi ça c'est ma propre opinion, si vous parlez de longueur à la barbe, veut dire faudrait une poignée minimum. Alors risquez pas gagner témoin. Parce que aujourd'hui dit bon pas garde la barbe, s'il garde la barbe veut dire une la barbe une semaine deux semaines. Alors donc, il y a une réalité qui nous besoin prendre compte. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Mais ça, pour les gens qui pour continuer garder la lune Ramadan, pour continuer observer Ramadan basant sur la lune locale, c'est bon qu'ils structurent sa panel là d'une façon plus professionnelle et mettent bonnes conditions et transparence. Et aussi, il y a un arbitre qui est capable de guetter pour que nous soulagent, nous donne tranquillité dans les quais du monde. Mais sinon, il y a du monde qui me convainc pour l'international personnellement. Et donc moi, personnellement, je peux aller vers la lune internationale. Ça, c'est un choix personnel. Alors donc, il y a du monde qui est d'accord avec la lune internationale. Et ça, ce droit. Il y a du monde qui peut continuer base sur la lune nationale. Ça, c'est ce droit. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a un droit de payer utility bills par direct debit? Écoutez, si nous payons utility bills par direct debit et les payons déduits en somme l'argent là, il n'y a aucun mal là-dedans. Ça, c'est pas l'intérêt, ça, c'est un fees. C'est un service qui paye de nous et les prend, par exemple, le chaque 100 roupies, le chaque 1000 roupies, il prend par exemple 0,2%. Ça, c'est un service, c'est pas l'intérêt, c'est pas l'autre, non. Alors donc, sauf si il y en a quelque chose qui en plus qui vous connaît ou capable. Et clair sinon, là nous sommes capables de cause l'eau. Question suivante. Salam alaikum. Un camarade dit à moi qui prend l'IS, car l'IS avec Rogers Capital ou bien CIM, l'IPMIC, parce que propriété de l'auto là, parce que l'auto là, les propriétés de compagnie là. Jusqu'à que le paiement l'y complété. Est-ce qu'il est vrai ça? CIM, jusqu'à preuve du contraire, CIM l'y haram. Parce que il y a trop opacité dans d'autres conditions. Par contre, Rogers Leasing l'y, Inch'Allah, l'y islamique, parce que nous finissons vérifier, nous finissons alvéa, celui qui gère ce système-là, nous finissons poser des questions, nous finissons toutes les conditions. Rogers Leasing, l'y permissible, pour qui vous prend le taux à travers Leasing. Mais CIM, personnellement, jusqu'à preuve du contraire, c'est un purement loan. Ce n'est pas leasing, ça c'est loan. Ça veut dire où CIM, il finit prend sur l'argent, il paye la compagnie, il est là où doit aller l'argent là. Et avec une somme additionnelle en plus. Ça c'est totalement loan. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullah. Est-ce que c'est bien un djinn qui t'y amène trône? La reine de Saba pour Suleyman alayhi salam ou bien insan qui t'y peut faire ça, d'après tafsir, de la part de nos frères Riaz et Laïbakas. Alors donc, quand vous pouvez ça tafsir là, non, ce n'est pas djinn là qui finit ça. Parce que le djinn qu'il dit, Ifrit ou min al djinn. Ifrit, c'est un race de bandjinn, il dit, Ana ati kabihi, mou kapab amen, sa trône là, qabla intakouma min maqamik, avant que ton réunion finisse. Maqam ici veut dire majlis. Sa réunion veut dire que le roi fait ban briefing, que le roi fait tous les matins avec son ban ministre. Avant qu'il ait réunion finie, Mokaba finit amène sa trône là. Ça veut dire après 30 minutes par exemple, après 15 minutes, 20 minutes, après une heure de temps,
dépendant de sa réunion quotidienne. Mukabar finir mindi. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. Alors que celui qui tient à la connaissance du livre, il dit avec Suleyman alayhi salam, Mukabar mindi avant que te lisiez bâti. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. Mais quand Trunnan paraît subitement devant lui, il dit ça c'est favori Allah. Ça veut dire, peine aucun doute, c'est pas Jinnah qui finit ça, c'est celui qui possède, veut dire, la connaissance du livre. Ban ulama divergé, est-ce que c'est un insan, ça veut dire c'est un qui est très proche avec Allah, ou bien c'est un ange? Une divergence là. Alors donc, Allahu alam, Allah complice. Question suivante. Salam alaikum, Sheikh, est-ce qu'il y a une salat nafil qui appelle Sabina? Et puis, aucun salat d'après le Coran et le Sunna qui appelle Sabina. C'est une invention qui dit mon inventé. Puis, aucun salat, ni de Coran, ni de Sunna qui appelle Sabina. D'ailleurs, le mot Sabina veut dire quelque chose qui est nouveau. Ni de Coran, ni Ali, ni de Hadith, ni ça tient là. Reste loin avec innovation. Question suivante. Salam alaikum, mon camarade, fin gain djinn, loli. Même plusieurs méchancetés, tu es avec lui. Là-dedans, un méchancé à chaque lieu, tu peux gagner piqué avec aiguilles. Il y en a beaucoup comme ça encore. Assez fin al get beaucoup, imam, banna fin dia, pas pour capable faire n'en et fin get un pandit, si même affaire pandit là, dia pas pour capable faire n'en Mais après 14 ans, les fin trouvent sa guérison grâce à un imam. Et un pandit. À ce terme, question, est-ce qu'il gagne droit ça dans l'islam de la part de nos carpenters? Al-Shafi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le guérisseur, c'est Allah. Insan, c'est ben moyen. Allah subhanahu wa ta'ala, peut dire le Coran, wa idha maridtu fahuwa yashfin. Ibrahim alayhi salam, fin dire, quand mon malade, c'est Allah qui guérit moi. Allah qui guérit. Une personne qui guérit. Allah qui descend maladie et il descend guérison. Allah qui finit créer le mal et il finit créer le bien. Allah qui finit créer Iblis et finit créer Shaitan. Il finit créer tout démon. Allah qui est capable donne tranquillité du monde. Ce n'est pas ni imam ni pandit. Allah subhanahu wa ta'ala finit mettre deux moyens de guérison. Il finit un moyen halal et un moyen haram. Allah subhanahu wa ta'ala finit mettre le chemin droit et le chemin travers. Moyen halal et moyen haram. Comme Mantis. Parfois, le moyen haram, il paraît tentant. Il tente tout. Mais seulement connaît que guérison qui, ou pour gagner tranquillité, ou pour gagner la paix, et ou pour gagner Allah sous bénédiction, c'est guérison qu'au servi Allah sous ban moyen qui halal. Si vous faites faire, veut dire servi guérison à travers un lutte, apport, Coran et Sunna, apport ban kisou qui halal, définitivement, ça n'est pas béni par Allah. Éventuellement, et pour subir les conséquences. Alors ça, dis-moi là, les fins trouvent ce guérison, c'est Allah qui finit de donner ça, mais seulement, les besoins repentir, demandent à Allah protection, demandent à Allah pardon, et les besoins reconditionnent sur l'esprit. Ni imam possède pouvoir de guérison, ni pandit possède pouvoir de guérison. Guérison vient depuis Allah. Nous, en tant que musulmans, nous n'avons pas gagné droit, servi aucun moyen haram pour traiter nos problèmes. Pour Tiadjin, nous pas gagner droit, servir moyen haram, nous besoin servir seulement verset Coran et tout ban kit chose qui islam approuvé. Non pas prendre ban kit chose qui haram à travers la sorcellerie, à travers shirk, à travers ban kit chose qui haram, totalement défendu en islam. Question suivante. Salam alaikum, moi fin prête une famille, une somme d'argent depuis 2021. Après Ramadan, est-ce qu'il m'a besoin de tirer zakat l'ola pour Ramadan 2022, 23 et 24? Si vous finissez prêt en l'argent, somme l'argent, et vous n'êtes pas encore retourné sa somme l'argent là, ou peine pour tirer zakat l'ola, et quand vous gagnez un jour, ça veut dire que ça fait deux ans, vous n'êtes pas encore retourné, le moment qu'il vous trouve, par exemple, vous finissez près de 200 000 roupies. Alors donc, 2022, vous n'êtes pas encore de nous. 23, 24, vous n'êtes pas encore de nous. 2025, vous êtes de nous, le jour que vous êtes de nous sa l'argent là, vous tirez 2,5% l'ola comme zakat. Question suivante. Salam alaikum, Sheikh. Est-ce que Sheikh Raslan, un savant avec qui nous capables prendre connaissance de la part de nos frères imams Adam Ilahi Bokas? Tout d'abord, Sheikh Raslan, ce n'est pas un savant. Et même n'est pas une référence dans la religion, même n'est pas un grand Sheikh.
Et est-ce qu'il y a la connaissance? Bien sûr, il y a la connaissance. Est-ce que cette connaissance authentique? Bien sûr, cette connaissance authentique. Mais seulement, est-ce qu'il est parfait? Non. Est-ce qu'il n'est pas fait rien? Non. Tout le monde fait rien. Et nous, pas qu'un droit suivre avec les mots, nous besoin de vérifier tout ce qu'il dit. Mais définitivement, à la base, ce connaissance base le Coran et Sunna. Mais c'est pas ni un savant, ni un grand cheikh, ni une source de référence en islam. Et donc, il y a sa vertu, il y a sa mérite. Alhamdulillah, il y a beaucoup de bénéfices quand on écoute lui aussi. Mais c'est pas, nous prenons en considération ce qu'il nous fait dire. Alors donc, est-ce qu'il nous gagne droit de prendre connaissance avec lui? Nous gagne droit de prendre connaissance avec tout le monde. Aussi longtemps que Jimoun là, l'IP cause d'après Coran et Sunna. Nous pas que Jimoun, nous get la parole qui peut dire. Bien sûr, nous parle avec Ban Jimoun qui flagrant dans l'égarement. Nous parle prendre connaissance avec un Jimoun qui flagrant dévié. Déviation est très apparente. Un Jimoun qui peut faire shirk. Un Jimoun qui peut adorer Jimoun mort. Un Jimoun qui carrément l'IP inventé dans la religion. Ça, ou bien pas coster avec lui. Ça, c'est très clair. Mais il y a une divergence entre les savants. Il y a certainement une divergence qui reste toujours débattable. Ou bien une petite divergence entre les savants. Ou bien une petite chose qui parfois, il y a une erreur que certains savants font. Alors, nous ne sommes pas capables de dire, prive nous-mêmes connaissance d'un savant parce qu'il finit de faire une erreur. Ou bien il y en a deux, trois erreurs graves avec lui. Nous devons faire la différence entre quelqu'un qui plongeait dans le shirk, plongeait dans l'innovation. Ça ne nous pas coster avec eux. Mais n'importe qui savant, qui a erré avec lui, il a erré grave ou bien pas grave, nous mettons ce erré à un côté si ça va erré là. Il n'est pas nombreux, un des erré nous mettons à un côté. Si ce dîne base le Coran, nous écoutons lui, nous suivons ce qui est authentique, nous restons loin avec ben erré qu'il a dans lui. C'est ça l'attitude d'un vrai musulman. Question suivante. Salam alaikum, imam, moi un petit peu confuse. Moi, tu as envie de connaître combien rakat sunna et na apporte salat ou le masjid avant namaz jumu'ah. Jazakallah khairan. Avant namaz jumu'ah, paye na sunna. Avant namaz jumu'ah, et na seulement nafil. Paye n'a aucune place ni de Coran ni de sunna qui finit le contraire. Ce qui est na dans sunna, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, finit celui qui finit une masjid bonnet le jour de jumu'ah et lui fait quantité qui namaz qu'Allah finit décrété pour lui faire. Lui faire quantité namaz qui Allah finit décrété pour lui faire. C'est ça qui finit dans le hadith. Ça veut dire ça, c'est, peut montrer nous, indique nous, c'est namaz nafil. Parce que namaz sunna, lui, est limité. 2, 4, 6. Mais puis, là, sa parole, lui faire quantité qui Allah finit écrire pour lui faire. 2, 10, 20, 30, 40. Alors ça, c'est nafil. Puis, na sunna avant Jumaa. Question suivante. Est-ce que Sourate Fatiha finit être révélée au moment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam tu peux faire un miraj ensemble avec deux derniers ayats dans Sourate Baqara? Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit une révélation définitivement depuis Allah subhanahu wa ta'ala à travers Jibril alayhi salam. À travers Jibril alayhi salam. Tout ban Sourate du Coran finit révélée à travers Jibril alayhi salam. Moupé n'a aucune connaissance concernant le contraire que Sourate Baqara ou bien Sourate. Veut dire Sourate Fatiha fin révélé veut dire depuis Mi'raj dans la limite de ma connaissance c'est que tout ban verset Coran fin descend à travers Jibril alayhi salam non pas directement depuis Allah subhanahu wa ta'ala dans Mi'raj. Pour cela nous disons wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.